En manchette aujourd'hui, campagne de financement du CABA, dévoilement des résultats. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 12 décembre. Aujourd'hui, s'est déroulé le dévoilement de la campagne de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey. En effet, le CABA a dévoilé les résultats de cette campagne annuelle. Le Centre d'action bénévole d'Autrey a annoncé une généreuse récolte de plus de 115 000 $ En présence de personnalités et des parrains de cette importante levée de fonds annuelle, Éric Fortier, directeur général de la Caisse des Jardins de d'Autrey, Hélène Paquet et Christian Bonilla Bautista de la pharmacie Jean Coutu de Lavaltrie et Germain Chartier de la pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Donc, en présence de ces gens, la vice-présidente du CABA, Jeannette Plourde, a rappelé, dans un premier temps, l'objectif fixé par cette campagne 2023, soit 60 000 $ un montant destiné à appuyer l'offre des services pour les aînés, donc un montant qui a été largement dépassé. Au total, l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey est allée chercher dans le public et via ses partenaires, et voici le chiffre exact, 115 292 $ Le public a été généreux avec des dons totalisant 40 194 $ Desjardins, partenaire principal, a contribué au succès de la campagne 2023 en versant 25 000 $ au CABA. Jean Coutu et ses partenaires, les pharmacies de Lavaltrie et de Berthierville, ont ajouté 22 000 $ à la cagnotte. Métro a contribué avec un don de 14 000 $ doublant ainsi la contribution amassée par les deux pharmacies associées à cette bannière dans le cadre de cette levée de fonds. Pour le directeur général du CABA, Pierrot Lapierre, cette récolte, malgré l'inflation qui fait mal, a de quoi réjouir l'organisme et ceux et celles qui profiteront des services du CABA. Tour à tour, nous allons entendre en rafale Jeannette Plourde, la vice-présidente du CABA, Éric Fortier, le président d'honneur de cette campagne 2023, M. Bautista, M. Chartier et Mme Paquet des pharmacies Jean Coutu, puis Pierrot Lapierre, le directeur général du CABA, qui dévoilera officiellement le résultat. On écoute ces gens importants. Bonjour tout le monde. Habituellement, c'est Mme Tellier qui est ici, la présidente du conseil d'administration. Moi, je suis le plan B. Elle est en voyage, elle a les deux pieds dans le sable, alors on m'a demandé, mais c'est beau d'avoir un titre de vice-présidente, sauf qu'il faut faire quelque chose de temps en temps. Jusqu'à maintenant, je n'avais rien fait. Je ne suis pas à l'aise comme Christian, j'ai une feuille. J'ai le plaisir de vous accueillir au dévoilement de l'aboutissement des activités de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey pour l'année 2023. Vous serez demain à même de constater qu'encore une fois, ces résultats sont très impressionnants. Vous savez, en tant que bénévole impliqué dans la collecte de fonds et en accompagnement transport, en plus d'être membre du conseil d'administration du CABA, je perçois l'annonce des résultats de la campagne de dons 2023 comme un extraordinaire coup de chapeau pour les bénévoles du centre. Nous sommes d'ailleurs reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication sans faille de nos généreux partenaires et de leur équipe respective. Monsieur Éric Fortier de la Caisse des Jardins d'Autrey, Madame Hélène Paquet et Monsieur Christian Bonilas. Oh, attendez, Bonilla Bautista. Je m'étais pratiquée pourtant de la pharmacie Jean Coutu de Lavaltrie, Monsieur Germain Chartier de la pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Madame, Messieurs, c'est un honneur pour le CABA de pouvoir vous compter parmi ses amis. S'il vous plaît, acceptez tous nos plus sincères remerciements et passez le mot à vos employés et à vos associés. Vous faites une différence dans la vie des gens. Vous vous souvenez sûrement de l'objectif modeste qui avait été demandé, qui avait été donné en septembre 2023, récolter 60 000 $ pour appuyer
l'offre de services pour les aînés du Centre d'action bénévole d'Autrey. Vous vous doutez bien que cet objectif sera largement dépassé grâce à la générosité du public et au, dévouement de nos... Attendez un peu, là, où je suis rendu. Au dévouement de nos exceptionnels partenaires. Mais de combien? Merci, Julie. Et depuis quelques années, au moment de traverser le fil d'arrivée, l'équipe est toujours surprise de constater qu'un nouveau record de dons a été battu. Est-ce que ce sera le cas encore cette année? On sait que le suspense est intenable, mais avant d'obtenir le chiffre magique, veuillez accueillir chaleureusement M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey et président d'honneur de la collecte de fonds 2023, qui viendra vous dire quelques mots. Bien, bonjour tout le monde. Merci, Mme Plourde. En fait, Mme Plourde, c'est un plan B, comme elle l'a dit, mais moi aussi, parce que c'était M. Cormier qui devait être ici aujourd'hui pour venir annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est moi, finalement, qui va être avec vous. M. Cormier, c'est Guy Cormier, notre président du Mouvement des Jardins, bien évidemment. Non! Alors, écoutez, on a des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais les nouvelles ne vont pas sans une raison. Les bonnes nouvelles ne vont pas sans une bonne raison. Les bonnes raisons, bien, on l'a expliqué tout au long de la campagne, hein, mais toute l'aide qu'on peut apporter à nos gens dans le besoin, que ce soit nos personnes aînées. Puis j'aime ça vous le dire, hein, on est les aînés de demain. Puis pour ceux qui disent, ben moi je suis un peu plus vieux que toi, Éric, ouais, ben vous n'êtes pas encore un aîné. Un aîné, il a besoin d'aide. Il a besoin d'être accompagné pour pouvoir aller à l'hôpital, à un rendez-vous. Et ça devient vraiment une montagne. Puis une montagne aussi pour les gens qui sont ses proches aidants. Parce que comme je vous ai déjà raconté, hein, moi je suis un proche aidant, mais je suis un proche aidant qui est pas mal loin. Alors, quand arrive un rendez-vous médical, ben, c'est une journée de congé. Donc, quand une organisation comme le CABA est là pour aider avec ses multiples bénévoles, ça fait toute une différence dans la vie des familles. Alors, je crois que lorsqu'on va vous annoncer des bonnes nouvelles, ben, c'est déjà un indice que les gens reconnaissent cette importance-là dans notre population. Donc, quand c'est le temps de redonner, puis je l'ai fait pour la guignoler, là, puis je voyais là encore déjà, j'expliquais à Christian comment que les gens sont généreux. Pour certains, j'aurais probablement osé leur proposer un panier de Noël, mais c'est eux qui ont donné. Donc, moi, je suis un mathématicien, c'est que je considérais que probablement qu'ils avaient considéré eux autres que 3 repas par jour, ils n'en avaient pas besoin de plus que ça, donc ils étaient capables de donner le 4e à quelqu'un dans le besoin. Alors, c'est vraiment de cette façon-là que les dons sont récoltés dans la population. Puis, on a aussi bien, nos ambassadeurs de cœur qu'on aime appeler, mais c'est des gens que j'ai vu travailler, qui interviennent auprès de leurs fournisseurs. Puis, c'est vraiment c'est vraiment des quêteux, là, parce que les fournisseurs n'ont pas besoin de donner au CABA. Ils ne savent même pas qu'on existe. Mais eux, Monsieur Germain, Madame Hélène, Christian, moi, je ne vous dis pas... Bautista, parce que je ne veux pas me tromper. Alors, alors moi, je l'ai toujours appelé Christian. C'était un peu impoli au début. À ce moment-là, on est rendu qu'on peut, se tutoyer. Alors, c'est vraiment, ces gens-là ont vraiment quêté là, à coup de pioche pour pouvoir réussir à aller chercher de l'argent de ces fournisseurs-là, comme je vous dis, c'est vraiment des grandes corporations. Ils ont pas... C'est des gens qui aiment le caritatif, mais c'est quoi la cause? Mais eux, les expliquent. Puis ces gens-là se virent de bord, puis ils donnent. Alors, c'est ce qui fait qu'il va y avoir des beaux résultats. Puis là, bien, je veux vous parler un petit peu de notre Desjardins, parce que M. Cormier vous en aurait sûrement parlé. Alors, le Desjardins, bien écoutez, ça nous fait plaisir de vous dire, on va commencer à vous donner des indices que nous, on a donné le 15 000 $ de ce sous-financement, parce qu'on nous a dit que c'est ça qu'on lui devait au CABA. C'est le maximum qu'on pouvait donner, plus un 10 000 $ qu'on donne pour les opérations. Et on s'est engagé encore une fois par l'entremise de nos administrateurs cette année à s'engager pour un autre 3 ans. Donc, c'est encore un 3 ans dans lequel on va donner la même formule au CABA pour pouvoir les encourager à poursuivre les opérations puis à continuer à élargir leur service et à une plus grande échelle au niveau de la population, parce que le CABA, probablement, comme tous les organismes qu'on soutient dans notre marché actuellement, ça l'a doublé en termes de demande. Ça l'a doublé dans l'année 2023. Alors, on a actuellement des gens dans le besoin qui sont peut-être des collègues de travail à vous, mais on ne sait juste pas qu'eux ont à faire des demandes parce que ça n'arrive plus. Fait que voilà pourquoi c'est important de donner.
Fait que c'est un petit peu l'idée que je voulais vous apporter comme, comme raison. Il y a une raison en arrière de tous ces beaux chiffres-là, mais cette raison-là, elle est très, très humaine. Et puis, c'est ce que nos gens du CABA font à chaque jour pour pouvoir réussir à apporter un petit peu de rayon de soleil dans, dans la population. Donc, merci beaucoup pour votre bonheur. Et là, maintenant, d'habitude, je m'en vais et je vous dis merci beaucoup, mais là, il faut que j'introduise mes amis. Alors, je voudrais introduire nos pharmaciens préférés, l'équipe d'étoiles, première, deuxième et troisième étoile. Vous déciderez lesquelles. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup, M. Fortier. Très apprécié. Je tiens d'abord à remercier la population d'être venue déposer leurs dons dans nos succursales. C'est plus de 300 enveloppes qui ont été récoltées. De même souffle, je veux souligner le dévouement de nos équipes d'employés qui font un travail exceptionnel en embarquant avec nous depuis des années avec cette aventure de la collecte de fonds du CABA. J'en suis à ma deuxième année et j'avais une bonne idée à quoi m'attendre. Je m'attendais bien à ce qu'on allait, une fois de plus, atteindre rapidement les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient de doubler jusqu'à 5 000 $ par pharmacie. Maintenant, on est heureux d'annoncer que si on ajoute les montants recueillis aux caisses et les activités de sollicitation en succursale, on peut confirmer qu'ensemble, de la part des deux Jean Coutu, c'est une contribution totale de 14 098 $ qui sera versée à la collecte de fonds du CABA. C'est un bon début. Par contre, j'imagine qu'on ne va pas s'arrêter là. N'est-ce pas, Germain? Bon, je ne sais pas si on a bien fait notre job, on va le savoir. Donc, ouais, on ne peut rien te cacher, Christian. Mais, je ne sais pas si vous le savez, mais Jean Coutu, ça fait aussi partie de la grande chaîne de métro. Alors, on a fait notre quêteur, puis on est allé voir métro. Elle leur a dit, ben nous autres, on aime ça participer au CABA parce que c'est une bonne cause. C'est local, c'est des gens d'ici et on a des grands besoins. Alors, le sourire, ils m'ont offert un beau 14 000 $ supplémentaires qui s'ajoute à la collecte de fonds. C'est formidable, c'est un beau don de la part de métro Jean Coutu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire que tous les dons du public ont, pour nombre d'entre eux, été doublés soit par la Caisse des Jardins d'Audry, doublés par l'un ou l'autre de nos pharmacies et doublés par métro pour être quadruplés au total. Donc, votre 20 $ déposé chez nous représente 80 $ dans les coffres du CABA. C'est merveilleux. Je suis fortement heureux de tout ça. Mais comme on l'a dit tantôt, on a fait quelques appels à nos partenaires et amis. Ils ont répondu présents en grand nombre. Effectivement, on vend de la bonne crème chez Jean Coutu. Les oreilles, c'est correct. Ça vaut la peine. Madame Plourde, je vous rassure, moi aussi, j'ai besoin de ma feuille. J'ai ça par là en avant. Comme le dirait Germain, on a appelé nos contacts, nos amis, puis on leur a rappelé qu'on avait besoin d'eux, puisqu'à cette période critique, les organismes qui aident les plus vulnérables de notre société. L'appel a été très bien reçu, puis il faut dire aussi qu'ils connaissent Germain aussi, puis Christian, parce qu'on est les quêteux officiels, ça, j'ai mon diplôme. Ils savent, par contre, que c'est pour une bonne cause. Ils sont toujours prêts à nous aider dès le lancement de la collecte en septembre. Plusieurs vont répondre dans la même semaine. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que nos partenaires ont versé pour 21 500 $ à la cagnotte pour épauler le Centre d'action bénévole. Comme nous, ils croient en la mission et aux valeurs du CABA et on tient sincèrement à les remercier. Donc, avec nos deux pharmacies, nos partenaires d'affaires, notre maison mère, nous aurons versé un total de 49 598 $ à la collecte de fonds du CABA. À la version de vendredi passé du texte, donc ça a été augmenté, donc ça a été 22 000 que vos partenaires ont donné. Bon, on aime ça. On dépasse les 50 000. Alors, comme on le voit à l'écran, on dépasse largement l'objectif de 60 000. Alors, j'ai hâte de savoir à combien le montant avec les dons du public ce sera au total. Alors, Pierrot, ce serait le fun d'arrêter de nous faire languir. Bernadette, êtes-vous en train de livrer de la popote roulante? Ça va probablement servir à ça. Ça va servir à ça? Oui, oui, oui.
C'est excellent. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac de Noël? Des boîtes qui vont annoncer la bonne nouvelle. Attendez, je veux pas. Donc, je veux faire la fée des étoiles et la fée des étoiles, il me donne une utile. Oui, Nessie. Bon, on a des beaux cadeaux à distribuer. Est-ce qu'elle permet? Il y a eu un bon lunch. Il n'y a pas eu juste des biscuits puis du lait. On a un cadeau pour Monsieur Eric. Un cadeau pour Madame Geneviève. Vous faites des beaux cadeaux, Père Noël. Ils sont bien emballés. Un beau cadeau ici. Un bon personnel. On se rechangera. Bon, ici, on a d'autres cadeaux. Monsieur Germain. Là, je les tutoie depuis le temps qu'on travaille avec eux autres. Oui, on voit ça. Tu l'appelles Monsieur Germain. Madame Hélène. Monsieur Lapierre, mon patron, je l'appelle Monsieur Lapierre. Bon, OK. Merci, Père Noël. Oui. On aime un petit peu. Alors là, il y a des gens qui sont cachés, mais vous pourrez suivre sur l'écran géant, parce que c'est un peu comme dans un téléthon, on va révéler les chiffres un à la suite de l'autre, donc avec les montants qui ont été recueillis au total. Alors, nous avons Madame Plourde. Non. On tourne le montant. Je ne suis pas le début, moi. Hein? Je suis pas le début. Non, c'est le dernier chiffre. C'est le dernier. Non, si ça avait été, on aurait été content que ce soit le premier. Je suis pas le début. Mais c'est pas le premier chiffre. C'est un 2. C'est un 2. Un 9. Avec la petite barre. Alors, on retourne. Il y a un 2. Celui-là, il va faire. Oh, 5. Oh. 1. Et Pierrot. Plus de 115 000. Bravo à toute l'équipe. Bravo aux généreux donateurs. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Ce 12 décembre, deux anniversaires à souligner. C'est la fête de Alain Gravel et de Michel Liard. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas vous souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 12 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. Dans un tout autre registre, l'équipe des enquêtes du poste de la Sûreté du Québec, de la MRC de Dautré, a procédé à l'arrestation de Marco Lemain, 63 ans, de Joliette, en matière de leurre informatique. L'homme a comparu le 11 décembre dernier au palais de justice de Joliette en lien avec des accusations de leurre
de distribution non consensuelle d'images intimes, d'harcèlement, de communication harassante et d'extorsion auprès de victimes dont certaines étaient mineures au moment des faits. Les événements se seraient déroulés entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2021 à Lanoraie, à Joliette et à Montréal. L'enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d'autres victimes. Marco Lemay prenait contact avec ses victimes via différentes applications et sous plusieurs pseudonymes. ND34617, Leloup 234, JS5345, Magic Tom, M-Hébert 8645, L-Cloutier 7014, L-Cloutier 231, L-Cloutier 3549, U-54-360-555. Il tentait d'obtenir des photos intimes des victimes et les communications devenaient rapidement harcelantes et menaçantes, le suspect partageant ensuite certains fichiers obtenus sans le consentement des victimes. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. La Sûreté du Québec rappelle qu'en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. On compose le 1-800-659-4264. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Nausière, désire informer la population que les points de service local de Joliette situé dans les galeries Joliette déplacera temporairement ses activités dans des locaux différents au sein du même centre commercial. Ainsi, on souhaite continuer à offrir un service de proximité à la population du secteur de Joliette. Par conséquent, depuis lundi, le 11 décembre, les activités de vaccination et de dépistage qui se déroulaient jusqu'alors dans un local accessible par la porte 6 près du Pharmaprix seront relocalisées dans deux locaux accessibles par la porte 1 près de la Société de l'assurance automobile du Québec. Un premier local servira aux opérations de vaccination et un second aux activités de dépistage et de l'affichage sera installé à cet effet. Rappelons que les Galeries Joliette sont situées boulevard Firestone à Joliette. L'offre vaccinale est offerte sur rendez-vous les lundis, mardis et mercredis de 10h30 à 17h30 et les jeudis et vendredis de 12h30 à 19h30, les samedis et les dimanches de 9h30 à 16h30. Le dépistage est offert, quant à lui, du lundi au dimanche de 8h à 15h40, également sur rendez-vous. À partir de lundi, donc, les usagers qui avaient un rendez-vous prévu dans l'ancien local devront donc se rendre aux nouveaux emplacements près de la SAAQ. Toutes les personnes concernées seront contactées par l'équipe de la centrale de rendez-vous. La campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza est en cours, et les équipes se déplacent aussi dans une dizaine de municipalités. Rappelons que la vigilance et la vaccination demeurent les meilleurs moyens de protéger les personnes les plus vulnérables. Sur ce, passons à la pause.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 17 novembre à 89 ans. Est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre, Denis Desrochers, Robert Sylvestre, Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre, René Robitaille, Julie Sylvestre, Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre, Jannick Guertin, ses sept petits-enfants, Vincent et Elisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille et Marose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Sylvestre, Feu Guy Charbonneau, Denise Bonin, Feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Roch Gauthier, Nicole Sylvestre, Gabriel Bertrand, Lise Sylvestre, Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour sa gentillesse à l'égard de leur mère, ainsi que le docteur Hélène Laporte et le docteur Émilie Tran, ainsi que le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à Mme Denis. La famille vous accueillera samedi le 16 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Mme Denis Sylvestre sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 décembre à 62 ans, est décédée Mme Micheline Dubé, épouse de Michel Plante, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils René-Pierre Plante, Mylène Renaud, Jean-Sébastien Plante, Marie-Michel Thériault, ses petits-enfants Billy, Sarah, Jérémy, Abigail Plante, ses beaux-parents René Plante, Hélène Moreau, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, sa filleule Marie-Fredette, Gilles Lisette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 décembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au complexe, à la chapelle du complexe, à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bonjour, une météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il y aura de la neige fondante ainsi qu'une température de 2 degrés et avec un ressenti de moins 3. Mardi soir, il y aura des averses de neige fondante avec une température de 1 ainsi qu'un ressenti de moins 5. Mardi nuit, il y aura aussi des averses de neige mais isolées avec une température de moins 3 et un ressenti de moins 9 ainsi que 1 cm de neige. Mercredi matin, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de moins 4 et avec un ressenti de moins 10. Mercredi après-midi, il y aura un ciel variable avec une température de moins 3 et avec un ressenti de moins 9. Mercredi soir, il y aura des passages nuageux avec une température de moins 8 ainsi qu'un ressenti de moins 14. C'était tout pour une météo. On remercie Théo pour la météo. Donc, au nom de toute l'équipe de CTRB, à la belle humeur, au pépite, on vous remercie d'être à l'écoute pour le bulletin d'information locale et régionale. À demain!